Il est presque 18h15, vous écoutez Réunion la première et on vous en remercie. Lundi politique, Gaël Le Dantec. Elle est plutôt discrète depuis qu'elle a quitté la présidence du département, son nouveau rôle, son mandat de sénatrice de la Réunion qu'elle occupe depuis un an, la tient à l'écart de la scène politique locale. Sa succession à la tête du Conseil départemental a provoqué une sorte de guerre de tranchée au sein de la droite réunionnaise. Nous lui demanderons quel regard elle porte sur cette situation. Nous lui demanderons également ce qu'elle pense de l'état du centre après les déboires de Thierry Robert, ce centre dont elle fait partie en tant que présidente de l'UDI Réunion. Elle nous dira comment au Sénat se fabriquer. Comment s'effectue le contrôle d'un gouvernement qui veut bousculer les codes La réforme de la fiscalité des Outre-mer mérite-t-elle que tous les élus se mobilisent Quel remaniement pour quelle politique Et puis nous évoquerons les enquêtes passées, en cours ou à venir qui concernent notre invité Nassima Dindar et dans lundi politique jusqu'à 19h. Une émission que vous pouvez suivre en vidéo sur notre site internet. Bonsoir. Nassima Dindar, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un moment que ne vous avait pas vu. Oui, d'abord parce êtes, maintenant que, maintenant que. Vous êtes parisienne. Je suis à la fois parisienne et à la fois dionysienne et réunionnaise, parce que quand vous avez un mandat parlementaire, vous vous devez aussi d'être présente à toutes les sessions du Sénat. C'est ce que je fais depuis un an. Dans l'actualité, il y a ce remaniement que le gouvernement n'en finit pas de repousser, que, que le, le, le président n'en finit pas de repousser. Vous qui êtes désormais plus près du pouvoir parisien, que peut faire. Emmanuel Macron, que doit faire Emmanuel Macron Changer d'homme euh, ou de gouvernement, euh, ça n'est pas changer de cap, et c'est ce que déjà le président de la République a annoncé. Euh, il veut garder le cap des réformes, il trouvera euh, les hommes et les femmes euh, qui se mettront au service d'un projet présidentiel qu'il faut le reconnaître, qu'il met en œuvre aujourd'hui, et c'est plutôt euh, bien pour un président que de suivre le programme qu'il a. Euh, destiné à la présidence. Vous comprenez les départs de Nicolas Hulot, de Gérard Collomb Je n'ai pas à les comprendre, je sais tout simplement que c'est ça doit être une tâche très difficile. C'est une tâche très difficile que d'être ministre dans un gouvernement. Je vois pour assister euh, à toutes les questions euh, orales euh, chaque fois que le gouvernement vient au Sénat comme il le fait euh, quand il se rend devant euh, les députés euh, quelle est la préparation, la tâche, les projets de loi qu'on met en œuvre, les déplacements sur le terrain. Euh, et donc, euh, tout ce qu'on voit après, l'écume, les, les petites phrases, euh, les chaises musicales, les départs, ce ne sont pas véritablement euh, d'importance par rapport à tout ce qui se joue euh, pour l'avenir d'un pays. Pour rester sur ce remaniement, quand même, est-ce que Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, doit quitter le gouvernement ou est-ce qu'elle doit rester et pourquoi elle devrait le quitter si euh, elle a mis en place le livre bleu des Outre-mer euh, Qu'elle le suive jusqu'à la fin euh, du mandat si elle le souhaite. Je trouve ça plutôt bien. Vous, vous préférez qu'elle reste Oui, à titre personnel, euh, Annick Girardin peut rester. Je pense que elle a fait du boulot. Elle le fait euh, sans pour autant qu'on puisse dire, je veux le dire aujourd'hui... Euh, qu'elle fasse avancer dans le bon sens. Mais ça n'est pas facile quand on est au gouvernement de faire avancer ces dossiers. Alors on va revenir plus en détail sur les différents aspects de la politique gouvernementale, mais globalement, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer de la République en marche, euh, quand ce parti et, et, et le président Emmanuel Macron revendiquent la mise en œuvre d'une politique non partisane qui se dit de droite et de gauche, euh, avec un premier ministre qui, lui, est issu de la droite, une politique qui est finalement assez proche de ce que vous avez prôné ou ce que le centre droit peut prôner, comment est-ce qu'on fait pour, pour se démarquer On n'a pas besoin de se démarquer, on a besoin de trouver avant tout sa cohérence. Euh, au fond, euh, moi je suis parlementaire et je suis issu de l'UDI. Euh, parti central, et à l'UDI, euh, notre groupe, nous votons à chaque fois que nous pensons qu'une mesure est bonne, proposée par le gouvernement, et nous nous abstenons chaque fois que nous sentons que ça ne va pas dans le bon sens. Pour le gouvernement Macron, il y a de belles avancées, il y a quand même quelques belles lois, euh, celles portées par euh, la ministre des Solidarités euh, et de la Santé, Agnès Buzyn, à qui je rends euh, hommage ce soir parce qu'elle fait un travail remarquable et ça n'est pas euh, très simple puisque nous allons parler euh, dans cette loi des hôpitaux, de la dépendance, euh, du cinquième risque, euh, de la réforme des retraites, euh, de grands chantiers pour l'avenir d'un pays. Justement, vous disiez parfois que euh, votre groupe vote certaines, euh, certains projets de loi et, et, et vote contre certains autres. Euh... Les consignes des partis, ça a encore un sens euh, au Sénat ou, ou, ou à l'Assemblée. Euh, vous qui avez été plutôt euh, libre, on va dire, dans euh, l'organisation de vos majorités euh, au Conseil départemental, comment est-ce que vous, vous vivez euh, cette, cette discipline de parti Parce que si demain vous dites bah, je vais faire alliance avec les communistes et les socialistes, on va vous regarder un peu de travers. Hein ben, C'est une très bonne question. Je vais vous dire que depuis que je suis au Sénat en un an, j'ai voté avec les communistes, j'ai voté avec les socialistes sur la loi immigration, j'ai voté parfois. Mais vous, à titre personnel ou avec votre à, groupe Non, à, à titre, titre personnel, personnel. Et dans notre groupe, notre président accepte sans grande difficulté, on le prévient, on dit pourquoi on préfère ne pas voter cette loi. On accepte au centre droit, à l'UDI agir, que les votes ne correspondent pas à un vote groupé. Totalement. Ce qui est moins vrai pour les Républicains, parce que c'est vrai que le groupe des Républicains plus fort respecte souvent des consignes de vote. En mais fait, la droite est majoritaire. Mais, au mais, mmh. Oui, mais ma collègue Viviane Mallet a aussi voté parfois contre son, son, son groupe pour certaines dispositions qui touchaient les territoires ultramarins et la Réunion. Nous votons pour les Réunionnais, puisque nous sommes des représentants de ce territoire. Est-ce que malgré tout, droite et gauche, ça a encore un sens pour vous ça n'a jamais eu véritablement de sens euh, entre le libéralisme social ou une démocratie sociale. Euh, il n'y a plus aujourd'hui de, de, de grandes différences. En termes d'idéologie, euh, nous allons trouver des postures qui peuvent euh, être différenciées. Mais euh, je pense que, allez, depuis Jacques Chirac... Euh, contrat social, fracture sociale, euh, le président Nicolas Sarkozy, François Hollande et aujourd'hui Emmanuel Macron, les lois, quand elles sont votées, ce sont des tuyaux qu'on réajuste. Qu'est-ce qui fait un programme C'est une loi de finances avec un budget et c'est ce même budget qu'on va essayer, avec des tuyauteries parfois qui bougent, euh, de mettre un curseur ici. Plutôt que sur un autre, mais euh, c'est le redressement de la France demande effectivement des efforts et il faut le reconnaître. Emmanuel Macron euh, en a fait un, un cheval de bataille. Encore faut-il que ce ne soit pas aux dépens de ceux qui sont les plus vulnérables. Nassim Al-Andar, vous avez laissé derrière vous la droite locale dans un état assez désastreux. Avec une guerre des chefs assez euh, illisible euh, pour pour nous euh, journalistes et j'imagine pour les citoyens euh, également. Expliquez-nous parce qu'il semblerait que cette opposition fratricide entre Didier Robert, patron de la région, et Michel Fontaine, qui vient d'être élu aujourd'hui euh, euh, président euh, des Républicains, euh, il semblerait que cette opposition remonte à la composition de la liste euh, sénatoriale qui vous a permis d'être euh, élu au Sénat. Qu'est-ce qui s'est passé Je crois qu'il faut poser d'abord la question à à Didier Robert, je pense euh, que le président des LR, Michel Fontaine, je saluais euh, sa réélection, est un homme de conviction qui a toujours défendu son patrioli, patriotisme gaulliste et, et les valeurs. Et puis, il a mis, je crois, en place, euh, sur la commune de Saint-Pierre, en application, ses idées, sa vision du développement de la Réunion et, en tous les cas, du territoire du, du Sud. Il n'y a pas très longtemps, euh, j'étais numéro 2 sur euh, la liste euh, de Didier Robert, qui est venu euh, nous voir pour nous demander d'être ses alliés pour sa réélection à la région. Je crois que souvent, ce sont des égaux qui font que les gens euh, voilà, se, se mettent euh, ou à dire du mal les uns des autres ou à quitter un camp. Ce ne sont pas des différences de fond par rapport à des projets, c'est bien dommage, j'ai envie de le dire. Oui, parce que, alors, curieusement, vous allez me dire si je me trompe, moi, on a l'impression que vous êtes plus proche d'un Michel Fontaine euh, dans les alliances possibles, dans les, les soutiens euh, réciproques. Sur le fond, euh, euh, compte tenu de votre position euh, dont vous nous avez parlé euh, au Sénat, vous seriez plus proche d'un Didier Robert qui est parfois presque Macron compatible euh, par rapport à un Michel Fontaine qui, lui, se déclare très clairement dans une opposition de droite c'est plus simple que cela. Michel Fontaine a aidé Didier Robert à être président de région. J'ai aidé Didier Robert à être président de région. Jean-Paul Virapoulet a aidé Didier Robert à être président de région. Euh, Qu'il euh, n'ait pas été d'accord sur le choix euh, de, du successeur de Nassima Dindar au Conseil général, euh, on n'a pas trop bien compris pourquoi. Euh, qu'on soit traité de, de dinosaures et qu'on nous dise, euh, allez, euh, presque, je peux gagner sans vous. Voilà, ce sont des choses, ce, ce, ce sont des paroles d'égo. Et donc les choses sont claires. Michel Fontaine euh, m'a fait gagner également au sénatorial, euh, a fait gagner Jean-Louis Lagourgue au sénatorial. Donc il faut rendre hommage au travail de Michel Fontaine et à sa capacité à rassembler et à faire euh, également euh, gagner la Réunion. Donc euh, moi je lui dis merci. Je ne crache pas sur ceux qui m'ont aidé à gagner. Mais vous dites pas merci à Didier Robert je dis merci à Michel Fontaine, c'est vrai, parce qu'il m'a aidé à gagner. Euh, pour autant, euh, euh, Didier Robert nous a demandé de prendre Jean-Louis Lagourgue sur notre liste. Nous l'avons fait et je pense que nous avons tous été très corrects euh, sur cette élection sénatoriale, lui compris. Comment ça se passe avec le, le, le reste finalement, du centre euh, à La Réunion Le LPA de Thierry Robert fait partie de ce centre. Vous avez pu euh, éventuellement vous en rapprocher à un moment. Où est-ce qu'on en est il n'y a pas de, 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 de centre euh, droit ou gauche constitué. Le LPA euh, est plutôt, appartient plutôt au MODEM euh, et non pas à l'UDI. Pour autant, nous travaillons ensemble. Euh, euh, avec euh, Thierry Robert. Et même Vous comprenez que plus... Modem et, et UDI, oui, 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 euh, d'un point mais... de vue idéologique, c'est un peu. La distinction n'est pas évidente à trouver. Non, là, non, non, hein. non mais il n'y a, a pas seulement de distinction, parce qu'il n'y a pas non plus de grande distinction parfois entre le centre gauche et le centre droit, euh, et ni avec le Modem, ni avec l'UDI. Euh, moi, je suis quelqu'un de très fidèle et je garde de, de bonnes relations avec ceux qui ont été euh, mes vice-présidents d'hier et mes amis. Il reste. Même quand ils ne sont plus députés, euh, Thierry Robert reste mon ami de demain. On ne vous a pas beaucoup entendu pendant l'élection législative dans la 7e circonscription. Vous étiez partagé entre uh, Thierry Robert et, et Jean-Luc Poudrousse Non, je suis restée plutôt neutre dans cette période. J'étais et à la fois à part... Vous aviez des gens de chaque côté pas... ou... Non, je ne me suis pas engagée du tout dans, dans, dans cette élection. J'ai laissé faire. et euh, D'ailleurs, euh, j'ai envie de dire... Euh, et bravo à Jean-Luc Poudrousse qui a gagné. J'ai de l'amitié pour l'un comme pour l'autre. Et je n'ai pas voulu m'immiscer. Ça n'a pas empêché Jean-Luc Poudrousse de gagner. Et donc, il n'a pas eu besoin de moi pour remporter cette élection. Vous, vous lui avez succédé au conseil départemental. On appelait ça le conseil général à, à, à l'époque. Vous le voyez arriver maintenant comme, comme député. Quel, quel rapport vous avez avec lui Quel regard vous portez sur, son, sur cette élection j'ai de très bons rapports avec Jean-Luc Poudroux. J'espère qu'il saura, et je n'en doute pas, défendre avec les autres députés, nous en avons sept pour la Réunion, défendre les intérêts des Réunionnais. Je pense qu'il va le faire sans aucun aucun état d'âme. Euh, quel rapport On va continuer un peu le tour oui. de, du paysage politique. politique. Euh, quel rapport vous avez aujourd'hui avec la droite sociale, le mouvement d'Ibrahim Dandar, qui annonce, qu'il veut s'attaquer à la mairie de Saint-Denis euh, en 2020 Le parti droite sociale d'Ibrahim Dandar est un parti membre de l'UDI. Donc nous avons, vous pouvez être un électeur direct de l'UDI, adhérent direct, comme vous pouvez faire partie des différents courants qui euh, sont affiliés à l'UDI, la droite sociale en fait partie. Donc Ibrahim Dendar s'est déclaré candidat euh, pour les municipales de Saint-Denis. Je pense qu'il ferait un très bon maire, puisqu'il a et de l'expérience, et puis euh, c'est un homme de dossier qui connaît à la fois euh, les tenants économiques pour euh, gérer euh, une ville, et puis qui euh, a été aussi touché par euh, le cœur social. Avec son expérience de vice-président au conseil départemental, qu'il a eu pendant de très nombreuses années, puisqu'il a été vice-président aux affaires sociales. Est-ce que ça veut dire que cette candidature a le soutien officiel de l'UDI aujourd'hui Il n'a pas demandé encore d'investiture, donc j'espère qu'il le fera, qu'il demandera l'investiture de, de l'UDI. Je, je le lui recommande en tous les cas, puisque je suis moi présidente de la Fédération UDI de la Réunion. Les sénatrices et sénateurs sont, sont très discrets, finalement, dans le paysage politique euh, local, à l'inverse des députés qui, eux, sont très présents, euh, communiquent beaucoup et sont présents euh, souvent sur le terrain. Jean-Hugues a appelé récemment tous les élus à agir ensemble, à organiser, pourquoi pas, une journée île euh, morte euh, pour, euh, pour euh, attirer l'attention du gouvernement, lui faire comprendre que la situation sociale et économique de la Réunion mérite une attention euh, euh, particulière. Il appelle, pourquoi pas, euh, tous les élus à démissionner de leur mandat pour faire comprendre au gouvernement si jamais euh, cette parole n'arrivait euh, pas jusqu'à Paris. On va revenir sur le fond, mais euh, sur la situation sociale et économique. Mais sur la méthode, est-ce que vous seriez prête, vous, à suivre ce genre d'initiative Quand on se présente devant les électeurs, on se présente pour assurer euh, son mandat euh, et pour représenter et un territoire et la population, défendre ses intérêts. Nous sommes élus par le peuple, même si nous, les sénateurs, nous le sommes par les grands électeurs. Et donc, euh, je laisse à, à Jean-Hugues Ragnon le soin, puisqu'il il a été élu par euh, des, des électeurs d'une circonscription, euh, de, de, de répondre lui-même. Moi, je souhaite euh, aller euh, jusqu'au bout de ce que euh, la loi me donne comme possibilité. Il y a une différence, vous avez bien raison de dire, entre un député et un sénateur. Le sénateur représente d'abord les collectivités. Donc, ce sont les seules lois qui passent d'abord au Sénat avant d'aller à l'Assemblée nationale. Ce sont des lois de changement qui touchent d'abord les collectivités. Alors que euh, toutes les autres lois, euh, parce qu'il y a différents types de lois, une loi organique euh, qui passe directement euh, sur proposition d'un président de la République et de son gouvernement, une loi ordinaire, les autres lois donc, passent d'abord, proposition de loi, à l'Assemblée nationale, viennent au Sénat, navette parlementaire, repart. Euh, à, à l'assemblée, qui l'assemblée qui a le dernier mot ce et c'est ce est... l'assemblée ouais. qui a le dernier mot. Donc c'est vrai ce que. Qui minimise nous, un petit peu finalement le pouvoir du, du Sénat. Ce, ce qui donne, je ne dis pas minimiser, euh, le, le bicamérisme et je le vois aujourd'hui est nécessaire. Ça, le, 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 le poids du Sénat, la sagesse des élus locaux, c'est pour ça qu'il faut, pour moi, être, avoir été longtemps un élu local pour euh, aller au Sénat. Représenter le territoire et la défense des collectivités. Ça veut dire euh, les, 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 les communes, le citoyen, donc euh, l'échelle la, la, communale, intercommunale, départementale et régionale. La vision est plus globale, d'abord, euh, on le voit, et les, les, les rapports que font les Sénats sont des rapports qui sont euh, et à la fois lus et, et tenus compte par euh, les, les euh, n'importe quel gouvernement, ça s'est euh, reconnu. Puisque vous êtes sur le terrain euh, de la constitution, on sait que il y a une réforme de la constitution qui est en cours, qui a été un peu un peu perturbée par l'affaire Benalla, mais qui va reprendre. Euh, vous, vous êtes vous favorable à une diminution du nombre de parlementaires, à euh, et, et à la suppression de, de ce qu'on appelle l'amendement Vira Poulet, pour ce qui nous concerne plus précisément ici. Moi, je, je suis favorable à la diminution du nombre de parlementaires sept euh, députés à la Réunion, quatre sénateurs. C'est trop. Nous, tout. Je ne dis pas que c'est trop. Je dis que puisqu'il faut diminuer, euh, la Réunion aura donc cinq euh, euh, députés euh, et trois sénateurs. Donc, j'y suis moi favorable. Mais là, on n'a pas besoin euh, d'un vote. Euh, euh, identique au Sénat et à l'Assemblée, puisqu'il s'agit d'une loi Là, organique. Le congrès, oui. euh, donc euh, le président peut, peut faire passer cette loi. Euh, sur l'amendement Virapoulet, euh, est-ce qu'il faut garder, est-ce qu'il ne faut pas je, je pense que le débat lui-même ne doit plus se poser sur l'amendement Virapoulet ou pas amendement. Vous, avez, vous aviez, pardon de vous couper, vous, vous aviez avec votre collègue Viviane Mallet demandé au maire de La Réunion de oui. se prononcer euh, oui. sur, sur cette question-là. Est-ce que ça a donné quoi finalement Ça a donné que les gens ne savent absolument pas. Euh, ce qu'ils doivent faire. Et, et on se rend compte que voilà, nous sommes dans des postures liées plutôt à, à, à des positionnements par rapport à des camps, euh, sans pour autant qu'on se donne les moyens de savoir exactement ce qui va changer. Il y a les, euh, les, les pros et les anti et les, les, Mais, 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 mais l'amendement Virapoulet a fait euh, de telle sorte, et c'était un, un bon amendement à l'époque, de se dire qu'on inscrit dans le marbre la région et le département Réunion. Mais si cet amendement saute, ça ne veut pas dire que le département va disparaître non plus, puisque euh, aujourd'hui, ces collectivités restent euh, des collectivités euh, sur le plan national reconnues, et, et, et même la Corse aura un statut particulier. Donc je crois que le débat ne doit plus être institutionnel. Le débat doit être celui du développement économique de ce territoire. Et là où je ne suis pas d'accord avec Emmanuel Macron, c'est que je crois vraiment qu'il se trompe sur euh, les Outre-mer et sur la Réunion et qu'il ne voit pas les conditions qui doivent être gardés pour qu'une grande partie de la population puisse continuer à vivre décemment. Alors justement, Nassim Alandar parle un peu du fond, de l'action politique du gouvernement actuel et de ses répercussions éventuelles à la Réunion. Vous êtes opposé à la réforme de la fiscalité euh, qui, euh, qui vise à abaisser le plafond de l'abattement spécifique de, de, de 30%. Pourquoi Parce que 30% d'abattement sur euh, des impôts dans les Outre-mer qui représentent... 70 millions d'euros. C'est peu. La Réunion est un des territoires où il y a encore euh, le plus grand nombre de contribuables de la classe moyenne. Parce que ceux qui sont les plus riches. Même si y en a pas beaucoup. Mais, mais ceux qui sont les plus riches, ils connaissent les conditions de la défiscalisation. Les grands chefs d'entreprise ne payent quasiment pas ou peu d'impôts parce qu'ils savent quels sont euh, les, les, les euh, leviers fiscaux euh, qu'il faut mettre en œuvre. C'est la classe moyenne qui paye. Et, et, et si on enlève les 30 que, que, que les, les gens payent, euh, il faut aussi enlever les 30 à 40 de vie chère qui sont données euh, à travers tous les produits de consommation. Donc, donc, il n'y a pas de justice. Je ne suis pas pour que la solidarité locale vienne remplacer la solidarité nationale. Et je proposerai un amendement dans ce sens. Éric euh, Abarège et, 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 et euh, notre député euh, Nadia Ramassami ont proposé un amendement qui n'a pas euh, reçu l'accord du gouvernement. Et je vais euh, me servir d'autres arguments. Pour essayer, euh, Viviane Mallet et moi-même, nous allons proposer également au Sénat un amendement euh, allant dans ce sens. Qui a peu de chances d'aboutir Qui aura peut-être peu de chances d'aboutir, mais en tous les cas, nous devons, euh, en termes d'égalité, euh, malgré tout, euh, et de solidarité nationale, euh, proposer au gouvernement et dire que nous ne sommes pas d'accord. Euh, nous ne savons absolument pas si ces 70 millions d'euros euh, vont euh, retourner. Dans, dans les DOM en fonction du prorata, euh, évident. Euh, on nous dira peut-être que ça va être dans une caisse commune. Euh, donc euh, voilà, il faut, il, il faut défendre la Réunion et il faut défendre la classe moyenne. Il y a un autre sujet euh, dont il a été beaucoup question euh, depuis euh, l'arrivée euh, d'Emmanuel Macron euh, au pouvoir ici à la Réunion, c'est la question des emplois aidés. Euh, euh, il dit, eux, ils vont encore être réduits. Euh, la plupart ne permettent pas d'obtenir un emploi viable explique euh, Matignon, euh, vous comprenez ce discours qui dit mais à quoi ça sert de payer des gens, de sous-payer des gens pour euh, euh, des, des emplois qui sont censés amener vers l'insertion mais qui ne le font pas euh, et il faut, euh, il faut arrêter ça. Je vous disais qu'Emmanuel Macron euh, se trompait sur les Outre-mer et sur la Réunion. Euh, moi, je ne crois pas que ça a été une bonne chose que de supprimer l'ensemble des contrats aidés, de les faire remplacer pas par, des PEC, oui. mais, mais par, mais par des PEC qui euh, vous donnent, euh, allez, 6 euh, mois, 8 mois pour euh, 700 euros de travail. C'est euh, par euh, mais hein, compétence. L'emploi de compétences est important, la formation professionnelle est importante, des conditions de l'emploi pérenne via les entreprises, c'est aussi important. Mais vous avez euh, à La Réunion une grande partie de la population, dont beaucoup de femmes, euh, beaucoup de gens qui ont euh, euh, du travail précaire ou pas suffisamment d'heures, qui ont besoin, dans euh, des périodes de leur vie, de se faire accompagner par un contrat aidé. Est-ce que, que ce ces gens-là n'ont pas le droit à un une... emploi pérenne, un vrai emploi Mais qu'on puisse créer les Conditions de l'emploi pérenne sur un territoire correspondent au vrai projet de développement. Économique. Parce que ça fait des années et des années voilà. qu'il y a des mais, emplois aidés et que les gens enchaînent des petits contrats comme ça d'année en année, par, euh, euh, voilà, à la merci souvent d'un politique, d'un responsable politique, d'un maire, euh, etc. C'est une vrai, situation qui ne peut pas vrai. durer. Ça fait des années qu'il y a euh, des, des contrats aidés, mais ça fait des années que euh, des familles entières ont pu être tenues debout et euh, ont eu euh, une, une, une vraie assise sociale, euh, une vie familiale euh, grâce à cette solidarité nationale. Et, et, et on dit, oui, les maires ne doivent pas euh, euh, embaucher pour faire de la politique politicienne, mais oui, malgré tout... Emmanuel Macron dit, ceux qui défendent ces emplois n'en voudraient pas pour eux. Ben, bien, c est, c est, ceux qui défendent, parfois, il y a même des maires qui sont passés par... Euh, ou des députés qui sont passés par des emplois aidés avant d'être euh, euh, arrivés élus euh, euh, et parlementaires. Euh, ne croyez pas que la vie euh, donne les mêmes chances parfois euh, à, à tout un chacun. Et donc je crois que les emplois aidés, à bon escient, euh, permettent aussi de faire euh, sortir des potentialités. Euh, chez euh, des jeunes comme chez des moins jeunes et que chez des personnes d'un certain âge, les femmes particulièrement, les emplois aidés d'appoint peuvent aussi aider euh, à se remettre sur pied euh, et debout. – Il y a deux euh, mesures assez symboliques euh, de, de politique, assez symboliques menées par euh, Emmanuel Macron et qui sont probablement dans le programme de l'UDI, euh, la baisse du nombre de fonctionnaires euh, d'emploi public, la baisse de la dépense publique par la baisse du nombre de fonctionnaires et de l'autre côté une aide euh, aux entreprises, la transformation du CICE en baisse de charges notamment euh, qui vient d'être euh, euh, appliquée, 40 milliards d'euros, une baisse d'impôts sur les sociétés euh, avec l'espoir que ça crée de l'emploi. Ces deux mesures-là, est-ce que vous les approuvez Est-ce qu'elles sont valables partout en France, y compris à La Réunion Je vous parlais de tuyauterie tout à l'heure et le CICE va être aussi ouvert aux agriculteurs qui pourront, aux entreprises agricoles qui pourront en, en bénéficier. Il y a sur la loi travail beaucoup de mesures qui allègent et le monde du travail et qui allège aussi les entreprises. À côté, il y a les mesures fiscales euh, dont bénéficient euh, souvent des entreprises euh, réunionnaises et, et ultramarines. Euh, et c'est euh, tout ce régime fiscal euh, qui est en train d'être débattu avec euh, deux points négatifs, puisque la TVA... Euh, non perçu, euh, non perçu ça, récupérable, récupérable va être supprimé et moi je pense qu'il faut continuer à défendre euh, cette TVA qui crée de la valeur ajoutée euh, à la Réunion et, et qui permet de l'investissement productif euh, est-ce que ça crée de l'emploi cette... oui ça crée de l'emploi euh, la, la, la production euh, ça, ça, ça crée de l'emploi euh, chaque fois qu'une est-ce entre... que vous pensez sérieusement qu'une entreprise qui peut embaucher ne le fait pas moi je crois qu'une entreprise euh, qui peut embaucher, elle le fait, qu'elle a envie de le faire. Par contre, ce qui gêne encore aujourd'hui, c'est euh, tout le système normatif. Nous n'avons pas beaucoup avancé sur l'allègement des normes euh, qui sont aujourd'hui très contraignantes, euh, tant dans le monde économique que dans d'autres en matière environnementale ou en matière foncière et donc il nous faut alléger toutes toutes ces normes mais je crois que les entreprises créent de l'emploi sur l'autre volet dont, dont je parlais qui est la, la baisse de la dépense publique euh, et la, la suppression notamment de, de postes dans, le, dans la fonction publique vous êtes favorable également c'est une des mesures proposées par Emmanuel Macron je suis pour la baisse des dépenses publiques euh, euh, avec euh, la, la, la feuille de route du président de la République qui dit que nous ne pouvons pas continuer à emprunter pour payer de la dette. Euh, nous allons euh, arriver l'année prochaine seulement à euh, une loi sur la sécurité sociale qui ne soit plus déficitaire. Euh, et donc euh, des économies sont euh, gagnées sur différentes branches. Euh, 1800 je... suppressions de postes dans l'éducation nationale, par exemple, l'année prochaine, ça vous semble cohérent je, je, je ne sais pas si euh, euh, nous avons besoin de 1600 ou 1800 euh, suppressions de postes. Euh, je souhaite qu'il y ait des postes là où il y a euh, de la démographie et où les écoles euh, s'ouvrent et qu'on en enlève là où les écoles se ferment. Je suis pour, tant, pour autant euh, très favorable à ce qu'on garde euh, des écoles ouvertes dans des communes rurales. Et nous avons, pareil, Viviane Mallet et moi-même, défendu un amendement avec nos collègues euh, des petites communes. Parce qu'une commune sans école, j'ai presque envie de dire euh, euh, sans, sans, sans commerce et sans église, pour moi, ce n'est pas une commune. Et pourtant, je, suis pas, euh, je défends la laïcité, mais je ne suis pas laïcard, voilà. Comme euh, intermède musical, vous avez choisi pour cette émission de la de rendre hommage à Charles Aznavour. Emmenez-moi. Les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, de reflets de ciel bleu, de mirages traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie. Que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller, ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que la misère serait moins pénible au sol. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de fille et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve les barres fermes que les marins rejoignent leurs bords. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafiot craquant de la coque au pont Pour partir je travaillerai dans la soute à charbon Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines Où rien n'est important que de vivre où les filles allangues vont ravisser le cœur en tressant, ma dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords. Sans bagages et le cœur libéré en chantant très fort. En me Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, la, la... Emmenez-moi, choisi par notre invité Nassima Dindar. Pourquoi ce choix Vous m'avez dit vous, vous auriez pu en choisir une autre de Charles Aznavour. Ah oui, j'aurais pu euh, en choisir une. Euh, mes amis, mes amours, mes emmerdes. J'aurais trouvé cette chanson d'actualité pour moi aujourd'hui. Oui, pourquoi Parce qu'il euh, y a euh, les emmerdes politiques, euh, il y a euh, les amis, ceux que, euh, qui euh, vous trahissent ou bien. Euh, qui font dire que vous avez trahi. Vous voyez, c'est tout ça. Et puis il y a les amours, le fil qui guide toute une vie et qui reste là jusqu'à la fin. Et ça, c'est très bien. Vous n'avez pas été pardi hein, par certains confrères de la presse euh, réunionnaise qui ont mis en avant des affaires dans lesquelles vous avez été. Euh, où vous étiez, où vous êtes soupçonné. Je voudrais qu'on revienne sur certaines de ces affaires rapidement, que vous nous disiez où vous en êtes. Sur votre villa, euh, les soupçons euh, portés sur un prix d'acquisition, une villa donc à, à Saint-Denis, votre villa à Saint-Denis, un prix d'acquisition en dessous du marché, et puis les travaux dont le financement euh, ne serait pas très clair. Il y a une enquête en cours, où est-ce qu'on en est ben, Je fais l'objet de plusieurs enquêtes ouvertes. Euh, ça doit faire. Euh... Exactement une année pleine où un journal a dû publier une bonne quarantaine de pages. Euh, J'ai envoyé moi des éléments chez le procureur de la République, M. Duferry, qui lui-même a envoyé l'ensemble de ses journaux euh, au PNF, euh, Parquet national financier, qui traite euh, des affaires financières. Et euh, donc voilà, l'enquête euh, est en cours. J'ai même eu euh, une perquisition chez moi. Euh, pas du PNF qui s'est déplacé, mais des gendarmes de la Réunion, avec euh, euh, sur euh, demande pour trafic d'influence. Donc voilà euh, les éléments euh, factuels que je peux vous donner par rapport à euh, cette histoire. Pas, pas de plus d'avancée pour l'instant sur cette enquête. Et donc euh, voilà, voilà où, où j'en suis euh, exactement. Euh, Et sur, vous, vous dites euh, que vous n'avez rien première, à vous reprocher. Cette, cette première enquête. Je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas. Euh, euh, contrairement à ce qu'on dit, j'ai porté plainte contre le GIR, contre ce journal, euh, négocier quoi que ce soit sur le prix de ce terrain avec une grosse société euh, qui aurait eu quoi que ce soit du département en échange. Et cette plainte contre le GIR, elle, elle est en cours euh, oui, euh, je, oui, cette plainte, elle a été déposée. Un avocat et on attend la décision donc, du, du tribunal. L'autre dossier euh, qui vous intéresse, euh, qui, dans lequel votre, votre nom euh, est mentionné, c'est celui du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, que vous avez présidé du temps que vous étiez euh, euh, à la tête du département. Deux rapports de la Cour régionale des comptes ont pointé de graves dysfonctionnements, que ce soit au niveau de la gestion financière, mais aussi la gestion des ressources humaines, avec euh, euh, voilà, des recrutements qui ne seraient pas très clairs, des avancements des uns et des autres. Enfin, voilà, une, une gestion des ressources humaines euh, problématique. Là encore, où est-ce qu'on en est Est-ce que la justice s'y est intéressée Vous vous interrogez sur Sur, sur, Pareil, ce sujet. Je, sur le ZIJ, je pense qu'il y a une enquête préliminaire euh, ouverte euh, et j'attends de savoir... Pour l'instant, exactement... vous avez été entendu euh, non, 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 moi, je n'ai pas encore été entendu et, et donc je, je ne sais pas quel est l'objet exactement par rapport à ce que la Chambre régionale des comptes, qui, euh, les magistrats de la Chambre régionale, nous avaient, nous tous, euh, membres élus du Conseil d'administration, interrogés très longuement, comme le ferait d'ailleurs un tribunal pendant... De, de, nombreuses heures. Euh, avec Vous les... reconnaissez qu'il y a eu des, des soucis dans la gestion du SDIS Alors, le, le SDIS, euh, hier comme aujourd'hui, euh, n'a pas une, une gestion de tout repos. Euh, il y a euh, au SDIS d'abord parce que c'est une co-gestion entre l'État et euh, les euh, départements, euh, où l'un euh, euh, doit gérer et l'opérationnel. Euh, et euh, l'autre, les, les, les finances et le côté administratif, euh, on fait au SDIS avec ce qu'il a. Et encore aujourd'hui, la gestion du SDIS n'est pas très simple. Euh, et donc, euh, ces dysfonctionnements, euh, ils ont été soulignés par euh, différents rapports depuis de nombreuses années. Euh, pour autant, euh, entre des dysfonctionnements qui existeraient et euh, du juridisme euh, qui... Euh, qui serait euh, mis là-dedans On attend pour voir. Il y a également un autre un autre euh, une autre, euh, un autre rapport de la chambre régionale des comptes euh, qui euh, est fait en ce moment sur euh, l'antenne de, de Paris du conseil général. D'accord. Et Qui dit Qui qui n'est pas encore terminé. Donc. Mais euh, qui vous inquiète ou... Je vais vous dire euh, ce qui euh, peut paraître inquiétant. Euh, J'ai géré le département de la Réunion avec un budget de 1,5 milliard à 600 millions d'euros pendant de nombreuses années. Et je l'ai géré en très bonne mère de famille. Euh, D'ailleurs, le département de la Réunion est conventionné sur ses finances comme département pilote directement avec les chambres régionales euh, nationales des comptes. Ce qui veut dire que ce qui a été mis en place euh, est plutôt euh, insoupçonnable. Euh, J'ai eu de la même manière, euh, je crois, je, de 2008, nous avions une dette de 529 millions d'euros, euh, avec un taux d'endettement par habitant qui allait jusqu'à 10 ans. J'ai quitté le département en 2017 avec un taux d'endettement de 3 ans par habitant. La moyenne nationale est de 6 ans. Avec 299 millions d'euros euh, d'emprunt. Donc, c'est une bonne gestion. Euh, Aujourd'hui, des enquêtes préliminaires sont ouvertes euh, après que j'ai quitté euh, le département. Et donc, il faut les, laisser faire tout cela sans problème. Et, et vous verrez que euh, non seulement ma gestion aura été saine, euh, ça, c'est pour les finances. Ensuite, on m'a beaucoup. Euh, fait grief euh, sur un procès pendant de, de nombreuses années au niveau des emplois. Dans euh, l'affaire du foyer de Terre rouge, du foyer Dans laquelle vous rouge. avez été relaxé. Voilà. Ne, neuf années. Neuf années où on vous met un fil à la pâte et euh, nous avons été relaxés comme nous avons été relaxés sur euh, euh, la, la race. Et là, euh, véritablement, euh, je peux dire que nous attendons. L'ONF euh, va mal, les employés sont inquiets, euh, l'Office national des forêts euh, qui est notamment en charge de l'entretien des sentiers, c'est aussi une, une responsabilité euh, en partie euh, du, du, du département. Comment est-ce que vous voyez la situation aujourd'hui Qu'est-ce que vous dites à l'ONF bah, L'ONF a été le bras armé malgré tout de ce territoire pendant de très nombreuses années et il faut rendre un hommage à tous les agents de l'ONF et au travail qui est accompli. Sauf que l'Office national des forêts n'est plus aujourd'hui subventionné par l'État. Tous les offices tels qu'ils l'avaient été durant des, des, des décennies. Donc on change de statut. Et, et, et les, les offices en France continuent souvent à toucher de l'argent avec le bois qu'ils exploitent sur ces forêts. Ce qui n'est pas, pas, oui. pas le cas ici. Donc l'ONF à La Réunion vit des subsides de, 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 du département de La Réunion, qui en est son principal bailleur, avec aussi également des fonds européens. Et moi je défends l'ONF et, et j'estime que l'ONF... Doit rester le bras armé de la, défense, de la défense euh... du, du parc euh, euh, national, euh, mais aussi des, des sentiers. 800, presque 900 kilomètres de, de sentiers entretenus euh, grâce aux efforts de, de ces agents très, très compétents. Donc, euh, communes, interco, mais interco, départements et, et, et régions euh, devraient, avec l'État, pouvoir effectivement euh, ensemble euh, définir. La, la, la gestion de demain pour que nous puissions garder cet office. Euh, il nous reste très peu de temps. Il y a encore beaucoup de thèmes sur lesquels on aurait aimé euh, à, avoir votre position. Euh, rapidement, les prochaines échéances électorales sont les élections européennes. Est-ce que vous êtes d'accord avec la présentation qu'en fait euh, le mouvement du président de la République il semble oui. dire qu'elle choix entre, eux, en gros, euh, lui euh, et l'extrême droite. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez euh, cette échéance et, et comment est-ce que vous vous positionnez Emmanuel Macron a au moins réussi une chose, c'est qu'il a mis l'Europe malgré tout à nouveau dans le débat au niveau de la France. Euh, est, il est, est pro-européen comme nous le sommes nous à l'UDI. Nous sommes un parti pro-européen et moi je voudrais, et c'est ce que nous venons de lancer euh, samedi puisque nous avons eu un conseil départemental de l'UDI à la Réunion. Euh, nous, nous allons lancer la campagne des européennes. Euh, nous, nous attendons, euh, malgré tout, de savoir si euh, il va y avoir une liste d'union entre les pro-européens et ceux qui sont des anti-européens. Vous êtes favorable à une, ligne, euh, une, une liste commune avec euh, la République en marche Pourquoi pas Quelle que soit la liste, au, au fond, le débat sur l'Europe, c'est deux visions de l'Europe. Nous, nous, nous ne devons pas être pour l'Europe technocratique, parce qu'elle elle, l'est encore euh, beaucoup trop. Euh, mais, mais il faut reconnaître que l'Europe aide. La Réunion et les Réunionnais euh, sur la mobilité, sur des infrastructures, de grands investissements. J'ai presque envie de dire que l'Europe nous aide beaucoup plus et bien plus bienveillant avec avec nous euh, Réunionnais que, que le national et que et que la la, la France elle-même. Elle et donc nous avons euh, encore besoin de l'Europe et il faudra vraiment défendre euh, ces élections euh, et, et une vision. La montée de l'extrême droite dans le monde et, et en Europe, en France, euh, vous inquiète Oui, c'est le c'est le c'est le grand danger. Euh, quand le monde s'ouvre, euh, vous avez l'autre courant de l'élastique, on a envie de se refermer, se replier euh, sur ses frontières, on a peur de l'autre et c'est vrai que c'est Lévi-Strauss qui le premier a dit euh, euh, attention, nous croyons que nous pouvons euh, nous ouvrir aux autres et que les autres peuvent s'ouvrir à, à notre propre humanité euh, parfois. Euh, elle peut aussi se refermer sur nous. Et donc oui, il y a un danger euh, aujourd'hui. On voit ce qui se passe en Italie, euh, on le voit dans les pays européens. Euh, je, 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 je crains euh, les extrêmes, euh, mais je crois euh, que la France des Lumières a encore de grosses capacités de rassembler sur des valeurs euh, et, et non pas sur ce qui peut diviser. Merci beaucoup Nassim Adandar d'avoir été avec nous ce soir. Dans deux minutes, ce sera les infos et puis Elodie vous accompagne en musique juste après. C'est une excellente soirée sur la première.

Jean-Jacques Goldman sur la première. Retour de la musique juste après les informations, la météo et les inforoutes avec Yves Gruyé. Il est 19h sur la première. Voici les titres du journal de France Info. Édouard Philippe, le Premier ministre, est arrivé dans l'Aude. Il est dans la commune endeuillée de ville L'Aude, toujours en vigilance rouge. 13 morts dans les intempéries d'après un dernier bilan, toujours provisoire. Tous les habitants de la commune de Pesins ont été évacués à cause des risques liés à un barrage. Les pluies ont provoqué également des coupures d'électricité. 7000 foyers n'ont plus de courant dans l'Aude. Trois autres départements d'Occitanie sont en vigilance orange, puis